Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Afsa Malki, j'ai 9 ans. Bonjour à tous les nouveaux habitants de Pont-Sainte-Marie, je suis Mehdi Lajneuf et j'ai 2 ans de plus que mon assistant Afsa. Aujourd'hui, nous allons parler du micro-site. Le micro-site, c'est personnellement mon endroit préféré. C'est un terrain de jeu ouvert à tous, du plus petit au plus grand. Des gens y viennent pour jouer au foot, au basket, au handball, faire d'autres jeux de ballon ou alors des parcours de motricité. On vient au micro-site pour passer du bon temps, c'est un lieu de rencontre, on peut se faire de nouveaux amis. On crée des liens au micro-site, c'est devenu notre repère. J'y vais même si mes potes sont sur Fortnite ou sur GTA V. Nous trouvons dans la salle polyvalente de la MAC, ici passent des événements divers, des concerts, du spectacle, les petits déjeuners du mois, les repas du mois, les activités manuelles et sportives, les cours de remise en forme. Tous ces événements sont pour la plupart gratuits ou à moindre coût. Ce lieu est un lieu de rassemblement pour petits et grands. Nous voici dans une des salles de musique de la MAC. Nous pouvons apprendre à jouer d'un instrument comme la flûte, la trompette, la guitare, le piano, et tout ça est encadré par un professeur compétent. Voici un extrait. Dans cette salle, dans un cadre calme et sérieux, de l'aide de devoir est proposée le lundi, mardi et jeudi de 17h15 à 18h15 gratuitement. Cette cuisine toute équipée est mise à disposition aux associations et des centres de loisirs. On y confectionne des bons repas, des bons goûters et des bons petits déjeuners. Elle nous permet de passer des bons moments de partage. Ici, c'est le point rencontre. Nous pouvons boire un café ou un jus tout en lisant le journal. On peut se retrouver avec des amis pour échanger, créer du lien, tout en se renseignant sur les services proposés par la ville. La salle ado est réservée, comme son nom l'indique, aux jeunes adolescents de 12 à 17 ans. On y vient avec des amis ou pour se faire des amis. On profite des sorties, des activités et des séjours proposés. C'est ouvert le mercredi après-midi et le lundi au samedi après-midi pendant les vacances scolaires. On crée et partage nos meilleurs souvenirs de vacances entre amis. Ce lieu est accessible pour tous. On peut y lire, s'instruire, se documenter, emprunter des livres. Un accès à Internet et aux ordinateurs est aussi possible pour des démarches professionnelles.